S'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119, psaume chapitre 119, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, et il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi l'ancien, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon, pasteur, donne-moi. Disons merci notre Père et nous glorifions ton Saint-Nom pour la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver dans ta maison à toi Père, de te rassembler ici en ton nom glorieux mon Sauveur. Merci de tout notre cœur pour ta présence glorieuse qui ne fait jamais défaut Père. Merci aussi pour notre précieux frère Christian, que tu le bénisses richement, que tu le fortifies, que tu le soutiennes, que tu l'aides. Merci pour ce que tu fais, mon Sauveur. Merci encore pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé Père, quand nous pouvons entendre ces enfants chanter avec autant d'amour, que tu le bénisses, que tu le fortifies aussi davantage, mon roi, que tu le soutiennes. Merci pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux, avec autant de zèle aussi, pour pouvoir te servir, toi, notre Dieu. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur, pour tous les témoignages que nous avons entendus, mon bien-aimé Père Dieu, combien tu as démontré que tu es le Dieu vivant, que tu nous gardes, que tu nous soutiens, que tu nous protèges. Pardonne-nous, notre Dieu, pour nos manquements, mon Sauveur. Nous désirons tant t'aimer encore plus que cela, mon bien-aimé Père de mission, et te servir. Merci vraiment de tout notre corps pour tout le bien que tu as manifesté, Seigneur. À nos frères aussi, à nos sœurs, mon roi, les témoignages aussi puissants, mon bien-aimé Père, témoignant que tu es réellement le Dieu qui veille sur ton peuple, Père. Louange et honneur à toi pour les chants et les cantiques, pour aussi les psaumes aussi, bien-aimé Père Dieu, et pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion, et pour tout ce que tu fais aussi à l'étranger, mon bien-aimé Père Dieu. Nous te remercions pour ton œuvre qui avance, mon Seigneur. Béni sois-tu encore en ces instants, Seigneur. Merci réellement pour tout ce que tu es en train de pouvoir faire. Sois avec nous, Père, et pardonne nos péchés, pardonne mes manquements aussi, mon bien-aimé Père, et soutiens-nous encore ce matin, parce que nous te voulons encore plus. Nous voulons que tu nous aides, que tu agisses encore davantage, que tu nous éclaires, Père. Oh, tu as vu les ailes, tu as vu les désirs, Père. Nous voulons vraiment rester toujours dans ta présence et dans la prière, mon bien-aimé Père, oh Dieu, parce que nous désirons, Seigneur, que tu agisses encore. Béni sois-tu encore aujourd'hui, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Qu'il vous bénisse tous, qu'il vous soutienne, qu'il vous récompense aussi pour votre amour et tous les biens, aussi vos prières aussi. Asseyez-vous. Nous sommes toujours aussi heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble et avoir cette communion les uns avec les autres. Nous remercions notre Dieu qui demeure toujours fidèle, comme sa parole le dit, que son nom est fidèle et qui avait fait la promesse de pouvoir être avec nous et de pouvoir réellement aussi être notre guide, nous conduire et réellement aussi notre berger et nous conduire aussi vers de verts pâturages afin que nous puissions avoir la nourriture nécessaire qu'il nous faudra pour que nous puissions avancer réellement et avoir la force de pouvoir continuer aussi la marche comme les saintes écritures le disent aussi et que la parole nous dit encore que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort donc de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de ce que le Seigneur puisse continuer à pouvoir agir et surtout à nous parler et surtout aussi à être présent pour que nous puissions réellement voir où il faut marcher parce que il a dit donc « Je suis le chemin, la vérité et donc la vie ». Si nous ne le voyons pas, comment pourrons-nous marcher dans ce chemin? Et nous avons le désir qu'il soit là pour pouvoir réellement nous conduire et
et il est le chemin, afin que nous puissions marcher dans ce chemin, pour que nous soyons sûrs et certains qu'aussi longtemps que nous serons dans ce chemin et que nous avancerons comme le Seigneur a voulu que nous puissions avancer, alors nous atteindrons certainement le port. Nous arriverons également à destination et avec beaucoup d'assurance. Nous le remercions aussi parce que il est le Dieu qui veille sur son troupeau et qui nous montre aussi effectivement que aussi longtemps que nous avons nos regards fixés sur lui, sûr et certain, le salut est avec nous. Parce que il est notre salut. Comme l'Écriture le dit, l'Éternel est devenu notre salut. Qu'il soit donc béni aussi pour ce qu'il continue à pouvoir faire effectivement, afin que par nos yeux, nous puissions être encouragés de voir la main puissante de notre Dieu pour que notre foi soit vraiment encore fortifiée davantage, afin que nous ayons cette assurance de pouvoir nous accrocher à ce que notre Dieu dit encore aujourd'hui, comme l'Écriture le fait savoir. Aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas donc vos cœurs. Nous voulons pas être de ceux-là qui entendent et qui endurcissent le cœur. Nous voulons être de ceux-là qui entendent et supplient le Seigneur pour que leur cœur soit donc attendri, afin que la parole puisse avoir accès effectivement à l'intérieur de ce cœur, effectivement, pour qu'il y ait donc changement et transformation, parce que la parole de notre Dieu a la puissance de pouvoir transformer. Les choses doivent changer dans notre vie. Plus nous recevons la parole qui a donc la vie en elle, qui a aussi la vision de Dieu aussi en elle, plus aussi, effectivement, le changement s'est fait et s'est rendu sur, ça devient aussi manifeste dans la vie, dans la marche, effectivement, de ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Comme je le disais, je pense que c'était hier, parce que j'ai eu une réunion hier ici avec le serviteur, effectivement, donc, c'est pas ici, donc, c'est-à-dire, ils étaient pas ici, mais comme je disais à mes frères, c'est-à-dire comme nous avons, vous savez, des églises un peu dans différents endroits. Et Seigneur, notre Dieu est en train de pouvoir agir d'une manière extraordinaire dans cette période de temps où nous sommes. C'est vraiment une secousse, un réveil où maintenant beaucoup, soit des pasteurs, des églises, effectivement, veulent davantage s'accrocher et pour écouter la parole de Dieu. Donc, en Haïti, vous savez que depuis les temps que je suis parti là-bas, le Seigneur a permis qu'il y ait effectivement aussi une église et qui persévère effectivement. Donc nous avons vraiment nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et le Seigneur a continué à pouvoir agir. Maintenant, il y a au moins 50 églises effectivement qui se sont joints effectivement pour arriver à pouvoir marcher et écouter aussi cette parole effectivement que Dieu nous donne. Donc les 50 pasteurs avaient donc le désir que je puisse leur parler, donc avoir une conférence avec les serviteurs de Dieu. Ils m'ont donc rappelé, donc pour pouvoir me dire qu'ils souhaiteraient que ce samedi, donc, j'aie cette occasion de pouvoir m'adresser donc au pasteur, leur apporter la parole de Dieu, parce qu'ils ont besoin d'être enseignés pour savoir comment servir les Seigneurs et comment avancer avec les choses de Dieu, parce qu'ils viennent effectivement des différentes églises. Donc, il fallait. C'est pour ça qu'hier, j'étais donc ici avec mon précieux frère, le docteur Daouda, que Dieu le bénisse. Il a arrangé tout ce qui était donc nécessaire pour que la connexion puisse passer. Ils étaient là-bas donc connectés. Ils appelaient tout le temps pour savoir, on va commencer. Le docteur donc s'occupait de cela. Et la connexion a donc eu lieu effectivement, et je pus prendre quand même du temps pour leur apporter aussi la parole de Dieu, leur montrer aussi effectivement l'importance des choses et surtout aussi comment marcher avec Dieu et comment aussi servir le Seigneur et le Seigneur qui les a attirés. Et là aussi, le pasteur aussi Milo a eu à pouvoir leur faire aussi un petit rappel effectivement de quelle manière Dieu a eu à pouvoir faire, comme vous le savez. Il était chez lui là-bas en Haïti, il ne me connaissait pas,
Mais il a prié Dieu parce qu'il faisait partie effectivement aussi des églises dénominationnelles, comme vous le savez. Il a prié le Seigneur effectivement pour lui dire, mais nous ne voyons pas les changements dans nos églises et nous prêchons, mais ça reste toujours le même système. Ben, on se voit effectivement, mais il n'y a rien qui change. Et s'il y a quelque chose qui nous manquerait, nous voulons, je voudrais t'en voir quand même qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui nous a changé. C'est à ce moment-là qu'il s'endormit, il l'a répété encore, il avait répété en bref, c'est un endroit qu'il s'endormit. Dormi effectivement, et là il a eu un songe où effectivement qu'il entend donc la voix qui vient du ciel qui lui dit, bon, cherche mon serviteur, invite-le qu'il vienne dans votre pays et les choses changeront. C'est à ce moment-là, il voit aussi, on lui montre la photo, donc c'était ma photo. Et alors, comme ça, le Seigneur lui a dit de pouvoir m'inviter effectivement pour que j'aille là-bas dans leur pays. Et puis il s'est réveillé du songe, ne connaissant ni la personne, ne connaissant ni son nom, ni même le pays dans lequel il vient. Alors il a dit, Seigneur, mon Dieu, mais je ne connais pas, j'ai vu la personne, mais je ne connais pas d'où il vient et aussi quel est son nom, comment je peux l'inviter dans notre pays. À ce moment-là, et puis il dit que je n'avais reçu ni réponse ni suite, mais j'étais conduit à pouvoir aller sur Internet. Et il a commencé à pouvoir taper. Il faisait peut-être autre chose, mais il commençait à pouvoir taper, mais il ne connaissait même pas International Mission Center, IMC, il ne connaissait pas. Et il tapait, paf, il trouvait qu'il tombe sur un site, et puis, Dieu est grand, hein. Il double-clique, effectivement, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la photo, ma photo, effectivement, sur un site. Alors là, il a crié Alléluia, Amen. Et il a dit, Seigneur, si c'est bien lui, je vais l'inviter. S'il dit oui, gloire à toi. Tu sais que c'est comme... Et c'est comme cela que ça s'est passé, qu'il m'a envoyé donc un message. Et comme vous savez, lorsque je suis arrivé là-bas, comment Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi délivrer, guérir même les gens qui étaient possédés. Parce que Haïti, c'est un pays de vaudou. Les gens avaient des problèmes de possession, des serpents qui marchaient dans le ventre et beaucoup de choses. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Et ils étaient comme ça, ils ont vécu pendant des années avec cela. Ils ont été voir des féticheurs, ça ne marchait pas. Mais ces jours-là, en une seule prière, Dieu a délivré, Dieu a guéri. Et puis, à un endroit où j'ai eu à pouvoir porter la parole de Dieu, effectivement, ça a été plus ou moins 3000 âmes qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et ces personnes, effectivement, je prêchais, et j'étais tellement épuisé, et ces personnes avaient tous voulu, ils avaient accepté d'être baptisés sur le nom de Jésus-Christ, c'est venant, mais ils avaient accepté aussi, ils voulaient maintenant que je puisse prier pour eux, en fait. Et alors, comme c'était donc dans un lieu assez grand, et alors j'ai dit, bon, vous allez vous lever, je vais prier pour vous. Et alors, ils ont fait passer le message comme quoi que chacun d'eux voulait que sa main soit posée sur sa tête. Alors, ce que je vous dis est vrai. Et c'est comme cela que j'ai commencé à pouvoir prier. Alors qu'ils ont fait en fait deux rangées, je crois, deux ou trois rangées, mais ils avaient mis des hommes autour de moi pour pouvoir en fait veiller que les gens ne viennent pas tellement plus dans la précipitation, évidemment aussi. Alors ils avaient mis des ouvertures comme ça et les gens venaient là, je priais. Les autres venaient par ici, je priais. Quand cette rangée venait, l'autre rangée venait, j'étais tellement épuisé que je commençais à pleurer moi-même. Tellement, parce qu'il y avait du monde, chacun voulait que je prie. En ce moment, je me suis senti tellement vidé, je commençais à pleurer, Seigneur, je ne saurais pas tenir, effectivement. Mais Dieu est grand. Quelque chose vient et rentre en moi et me renouvelle. Je priais pendant des heures. Alors, un témoignage, c'est qu'il y avait une dame qui était là, qui était cardiaque, en fait. Elle avait un problème de cœur, effectivement, et c'était mis aussi debout pour, et comme les gens couraient, avançaient effectivement parce qu'ils voulaient tout ce que j'ai pris pour eux, et voilà, dans la précipitation, les gens venaient, il a trébuché et les gens ont commencé à marcher sur elle. Et oui, elle était cardiaque, évidemment, parce qu'elle venait pour que je prie pour son cœur. Et les gens ont commencé à marcher sur elle, effectivement. Et là, à cet moment, elle dit, Seigneur, je suis venu pour être sauvé. Maintenant, je suis en train de voir mourir parce que les gens marchent sur moi. Comment je vais? Et puis, quand il a prié comme ça, avec vraiment autant de larmes, il a senti comme quelqu'un était venu autour d'elle et qu'il a dispersé les gens. Ce témoignage est vrai, on l'a rendu là-bas, et on l'a prise, et on l'a fait passer dans le groupe, jusqu'à ce qu'on l'amène juste devant moi. Pendant ce temps-là, je priais pour un cas, et quand on l'a amené devant moi, j'ai pris simplement ma main, je posais sur son cœur, et j'ai prié pour que, je ne le connaissais pas, mais j'ai posé ma main sur son cœur, et quand j'ai terminé de prier, son cœur était nouveau. Et elle a rendu témoignage là-bas aussi, effectivement.
Le Seigneur a fait tellement de grandes choses qui ont porté un impact, effectivement. Et là-bas, c'est comme ça que nous avons donc eu cette église qui est là-bas, dont le Seigneur nous a accordé cette grâce. Et maintenant, effectivement, il y a maintenant encore beaucoup d'autres qui continuent à pouvoir maintenant aussi s'accrocher, comme j'ai dit, 50 qui sont là. Il y a encore un autre, encore, effectivement. Nous prions pour que Dieu... Alors, je leur disais ceci aux pasteurs qui étaient donc rassemblés, afin qu'ils aient donc la vision de choses, effectivement, pour qu'ils puissent savoir comment marcher et servir à notre Dieu et en réalité. Je l'ai dit, dans les temps, le Dieu que nous servons aujourd'hui, il était donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce peuple qui l'adorait, on l'appelait, on savait très bien qu'il était le peuple de Dieu. Donc, ce peuple d'Israël était réellement le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, tout un chacun sur la terre... Nous savons qu'Israël est un pays particulier, c'est un peuple particulier, parce qu'il a eu une relation avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc Dieu d'Israël. Alors, ceux-là étaient donc considérés comme étant le peuple de Dieu. Alors, la Bible nous fait savoir que lui, il avait fait la promesse de venir vers son peuple, vers les siens. Donc, comme vous le savez, il est venu chez les siens, et la Bible dit que les siens ne l'ont point reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir donc enfant de Dieu. Donc, je leur montrais une chose en disant que ici donc, nous avions donc Jésus, et là c'était donc Barabbas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a choisi Barabbas, on a dit à Jésus qu'il soit crucifié, donc rejeté. Et comme il a été rejeté, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Dieu a tourné les dos à Israël. Il a tourné maintenant ce regard vers les nations. Mais en fait, pour quelle raison Dieu a-t-il tourné le regard vers les nations? Et nous avons donc lu dans les Saintes Écritures que Dieu a tourné le regard vers les nations pour choisir du milieu des nations, qu'est-ce qu'il doit choisir? Un peuple qui porta son nom. De la même manière que Israël était appelé le peuple de Dieu, alors dans les nations aussi, il faut qu'il y ait un peuple qui appartient à Dieu. Donc on appellerait aussi le peuple de Mais Dieu a dit, un peuple qui porte son nom. Donc il y a une relation profonde, de la même manière qu'Israël avait cette relation aussi avec Dieu. Donc ce n'est pas tout le monde. Donc c'est pour ça que nous devons apporter la parole, en connaissant effectivement quelle est l'action de Dieu dans les nations aujourd'hui. On ne peut pas parler n'importe comment, effectivement. On doit savoir comment Dieu fait les choses, qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il veut. Donc, nous réalisons qu'effectivement, alors, Dieu bénisse le docteur Daoudin. Il a vraiment fait beaucoup de travail, évidemment, et ensemble avec lui. Que le Seigneur te bénisse, docteur. Et puis, il était présent quand j'ai terminé donc cette réunion avec les prédicateurs. Combien tous prédicateurs voulaient me parler? Mais on en a choisi quelques-uns. Je crois que et ils étaient vraiment touchés, reconnaissants à Dieu, effectivement, pour la parole et l'impact aussi qu'elle a pu avoir chez eux et les désirs et que de pouvoir encore et avoir maintenant encore d'autres réunions comme cela. Ben, nous verrons comment le Seigneur, notre Dieu, conduira donc les choses pour que nous puissions réellement aussi continuer à pouvoir aider les uns. L'œuvre de Dieu est grande, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Comme je l'aurais fait comprendre, vous avez remarqué que l'homme n'a pas cherché à faire quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui fait effectivement, et je l'aurais dit aussi que ce n'était pas par hasard que vous soyez là, rassemblés, désirant m'écouter, c'est parce que Dieu voulait aussi que vous puissiez entendre la parole, afin que vous sachiez maintenant sur quelle base vous partirez effectivement pour pouvoir aussi le servir. Donc, nous réalisons combien notre Dieu est vraiment bon pour tout un chacun de nous et dans son œuvre aussi, et que nous puissions avoir la conscience, la certitude qu'effectivement que nous sommes dans une période en rapport avec les prophéties bibliques qui est tout à fait particulière. C'est vraiment une période particulière dans laquelle nous avons eu à pouvoir entendre que Dieu va faire, Dieu va agir effectivement. Effectivement, Dieu est en train de faire.
Dieu est en train d'agir, effectivement. Mais il faut que nous puissions avoir les yeux pour que nous puissions réellement aussi voir l'action du Seigneur, notre Dieu. Le problème, c'est que nous avons eu à pouvoir avoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, effectivement, qui nous ont amenés dans cette façon de pouvoir voir, qui nous aveugle, en fait. Et ça, c'est effectivement ce qui s'est réellement passé avec le peuple d'Israël qui a été donc aussi enseigné parce que Dieu a envoyé des prophètes, évidemment, en Israël, effectivement. Et on a vu qu'effectivement, après un moment, et comment les choses se sont donc passées. Donc, il y a eu émergence, c'est-à-dire les groupuscules qui se sont donc sortis, effectivement. Mais chacun avec son enseignement, donc ses traditions, sa façon, effectivement, qui ont amené le peuple à pouvoir, effectivement, aussi adhérer à des choses qui étaient donc contraires à la parole de Dieu. Donc, cela faisait qu'effectivement, que le fait de pouvoir ajouter et faire autre chose, effectivement, rendait donc la parole de Dieu donc inefficace, effectivement, chez les personnes. Pas que la parole de Dieu n'avait pas la puissance. Non, elle avait toujours la puissance. Mais elle devient inefficace pour ceux-là qui n'ont pas reçu cette parole comme Dieu la voulait en réalité. Et c'est important. C'est pour ça que Dieu, notre Seigneur, a voulu que les choses soient ramenées. Et puis, il a envoyé donc Jean donc le Baptiste, comme vous le savez dans les Saintes Écritures. Vous connaissez, c'est pour Israël, effectivement, que cela s'est passé. Mais non, nous, c'est pas si nous nous représentons en fait les choses de la bonne manière. Nous attendons un événement aussi glorieux et important. Comme Israël aussi attendait aussi cet événement glorieux aussi important. Et c'est pour ça que dans notre temps, dans notre âge, effectivement aussi, nous voyons qu'il est vraiment spécifiquement parlé de quelque chose de tout à fait aussi particulier, ce que les derniers âges, qui est l'âge de la Odyssée, c'est l'âge où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est rejeté donc en dehors de son Église. Rejeté, parce que là, ils n'en veulent pas, en fait. Il est vraiment, c'est là l'âge où nous pouvons nous réjouir en disant que nous avons Dieu, mais en fait c'est l'âge où il est vraiment mis dehors. Parce que on n'en veut pas en fait de ces dieux en question. On ne veut pas de ce Jésus. Ça c'est aussi quelque chose de très important dans lequel tout un chacun de nous doit arriver à pouvoir s'examiner, mais vraiment avec une bonne conscience. Avec une sincérité, tu te mets toi-même quelque part et tu te regardes. Sans que tu penses à quelqu'un ou qui ce soit, mais toi-même. Tu te poses la question, est-ce que vraiment j'aime le Seigneur? Est-ce que de tout mon cœur, véritablement, le Jésus de la Bible a la place, effectivement? Parce que quand on appelle Seigneur, on doit d'abord savoir qui il est. Parce qu'on nous a fait comprendre que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et nous avons eu la grâce de pouvoir également aussi sortir des différents endroits parce que toutes ces personnes-là sont encore liées, c'est parce qu'elles n'ont pas encore entendu la vérité. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous avez entendu la vérité, ce que vous devez connaître, effectivement, c'est Jésus, en réalité. Et connaître, effectivement, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, effectivement, aussi. Alors, on doit se poser la question de pouvoir savoir, est-ce que au plus profond de mon cœur et de mon âme, j'aime vraiment ce Jésus? Parce que, si vous l'aimez, alors, nous verrons que les choses seront différentes. En fait, en réalité, il y a beaucoup de choses qui vont réellement aussi changer dans notre marche. Dans le livre de Matthieu que je voudrais juste lire ici, c'est Matthieu au chapitre 16, je pense que c'est cela. Lisons avec vous cela, Matthieu au chapitre 16, oui. Oui, voilà, c'est ça. Matthieu au chapitre 16, le verset 1, il nous dit... Les pharisiens et les sadducéens abordèrent donc Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent donc de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe des temps.
Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Il a une sagesse dans la manière de pouvoir parler. Il faut vraiment que les personnes puissent arriver à pouvoir prêter attention et surtout c'est laisser vraiment dans, entrer dans la pensée dans laquelle il parle effectivement des choses pour que nous puissions qu'on regarde bien. Il dit, puis il les quitta et s'en alla. Quand il parle effectivement de les miracles, si ce n'est que notre miracle, c'est celui de Jésus Jonas, je crois que vous avez compris. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. J'aime bien une manière. Mais vous pouvez vous asseoir parce que c'est pas que je vais lire longtemps. Alors, que le Seigneur vous bénisse, nous prierons. Et puis, on nous dit ici que les disciples, en passant sur l'autre bord, ils avaient oublié de prendre donc de pain. Donc le pain que nous avons et que nous mangeons effectivement aussi, hein, c'est de la nourriture avec la farine. Verset 6. Jésus leur dit. Regardez la manière dont le Seigneur, c'est merveilleux de voir comment il parle, comment il arrive. C'est pour ça, j'ai dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu notre Seigneur, tu es vraiment particulier dans ta façon de faire les choses. Frères et sœurs, ce n'est pas une chose simple de pouvoir se dire que je crois au Seigneur Jésus. Ce n'est pas une chose simple parce que j'ai reçu la vie éternelle. Dieu n'est pas un distributeur de pain. C'est pour ça que si vous pouvez voir effectivement comment ces hommes qui l'ont connu, c'est pour ça, je ne sais pas, à un certain moment, j'ai dit que Dieu, ces hommes qui l'ont vraiment connu en fait, qui l'ont aimé, regardez très bien, comme l'apôtre Paul, regardez comment Dieu a agi dans cet homme, dans son ministère, et cet homme arrive à pouvoir nous dire une chose qui est très importante. Il dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il nous faut comprendre que Dieu n'a pas les sentiments que vous pensez qu'il a en fait. Parce que le problème, c'est que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. C'est ici quelque chose de très important que nous puissions arriver à pouvoir aussi nous examiner. Il y a trop de laisser aller dans notre façon de voir les choses de Dieu en se disant c'est déjà acquis. Oh, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je pense que c'est le même aspect qu'avait effectivement aussi la façon enfin, que Israël était tellement dans cet état effectivement. Alors l'orgueil a pris place. En disant que Dieu est notre Dieu, et puis, de toute façon, peu importe, nous sommes la pensée d'Abraham, si le Seigneur veut, nous partirons quand même, nous serons avec lui, effectivement. Mais ils avaient oublié qu'effectivement, que la promesse d'Abraham n'était pas réellement une promesse des peuples naturels. Amen, amen. Ah oui, vous n'avez jamais lu ça? Dans Romains, il est écrit cela. Tout Israël n'est pas Israël. Merci, Seigneur. Et c'est parce qu'on lit, on fait pas très attention, on a l'impression que Dieu a les pensées de l'homme comme nous et que nous devons saisir les choses de Dieu avec notre logique. C'est pour ça que nous nous permettons. C'est sûr et certain, mon frère et ma soeur. Il faut que nous puissions avoir réellement conscience que nous n'avons pas affaire à un humain. À Dieu réellement aussi. Alors, nous continuons ici. Il parle et dit effectivement, voilà que les disciples, en passant sur l'autre bord, effectivement, ils avaient oublié donc de prendre de pain. Donc cette conscience était là que, est-ce qu'il y a donc le peuple qui le suit, il faut qu'il mange comme là. Faut passer. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Regardez la dimension dans laquelle le Seigneur se trouvait. Dans sa façon de parler, quand il parlait effectivement, par rapport à la dimension dans laquelle les disciples se trouvaient. Deux niveaux différents. Amen, amen. Amen. Façon de raisonner. Il faut que vous fassiez attention. Bien qu'étant assis là, il peut vous parler, mais le problème, c'est comment, à quel niveau vous vous trouvez. De quelle manière, effectivement, vous recevez ce qu'il vous dit.
Parce que et il a insisté, en fait, lorsque Nicodème est venu vers lui, et, avec autant de loges qu'il pouvait le faire, il n'a même pas répondu en rapport avec ses éloges. Il est allé au but, il dit, si un homme n'est né de nouveau, ça ne sert à rien. Puis parce que l'homme s'est vanté d'être docteur, il dit, mais tu es un docteur de la loi, et tu ne sais pas toutes ces choses, en fait. C'est ça, quand on a la connaissance qui enfle, en fait, on peut parler, on peut être assis, mais en fait, on a sa propre religion. On travaille, et on connaît mieux que les pasteurs, on connaît mieux que celui qui a... Mais c'est ça, en fait. On se dit, on connaît mieux. Parce que si vous connaissez vraiment mieux et bien, Dieu vous aurait établi pasteur. Il y aura une grande différence et c'est vous qui nous apporterez donc la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Alors si Dieu ne vous a pas établi, ce que vous n'êtes pas capable d'y être, et alors vous êtes capable de pouvoir vous asseoir et écouter. Donc là, il vous a donné la capacité de pouvoir écouter, parce que dans cette position-là, Dieu vous bénit. Donc si nous pouvons simplement comprendre, vous savez, le diable complique les choses, mais Dieu simplifie les choses. Mais quand Dieu simplifie, l'homme cherche toujours ce qui est compliqué. C'est ça, en fait. Alors, ici, il a dit simple, parce que il était, j'aime mon Dieu, il est tellement bon. Et puis qu'il a parlé effectivement avec les pharisiens et les sadducéens, puisque depuis le début, effectivement, on dit, mais les pharisiens et les sadducéens l'ont abordé, effectivement. Donc, il est resté toujours, effectivement, dans ce domaine spirituel. Et ils lui ont posé, ils lui ont dit, effectivement, il dit, faites-nous voir un signe venant du ciel. En fait, c'était pour l'éprouver. Ces gens-là, même si le signe leur avait été présenté, vous n'allez pas croire. Donc, il savait très bien qu'il parlait effectivement à ces gens qui le suivaient. Il suivait simplement pour les critiquer, c'est de moyen, effectivement, voilà. Mais en fait, il ne croyait pas. Il y en a beaucoup comme ça. Ils peuvent venir s'asseoir là. Je crois, je suis tellement. Mais en fait, en réalité, ils sont pas là. Ils n'ont pas vraiment la foi ferme de croire que, en tout cas, ici, Dieu travaille. Non! C'est la vérité. Que Dieu te bénisse, mon frère. Non! Parce que s'ils croyaient effectivement, mon frère et ma soeur, mais leur vie changerait. Parce qu'ils voient ce que Dieu fait. Ils voient, ils entendent ma parole de Dieu, effectivement, mais ils croient sincèrement, les choses seraient différentes. Alléluia. Mais c'est parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils n'ont pas l'assurance, effectivement, dans leur cœur que c'est Dieu qui les fait. Alors ils peuvent arriver à pouvoir. Comme les pharisiens étaient donc là, effectivement, aussi. C'est... Et puis, il parlait avec eux, leur disant d'une manière tout à fait avec un langage toujours spirituel. Le Seigneur n'utilise pas un langage charnel, c'est toujours un langage. Eh ben oui. Ainsi donc, si tu es toujours charnel, tu vas comprendre les choses charnellement, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Ah oui, 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 parce que la chair et l'esprit donc sont donc opposés. La chair dit une chose, l'esprit dit une chose. C'est quand nous sommes entre les deux, on doit faire un choix. Nous l'avons lu, je pense, dans Romains, au chapitre 8. Vous avez oublié verset 1, oui, puis le verset 2. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation qui marche non selon la chair, mais selon... C'est écrit. Quand on dit cela, vous devez comprendre ce que ça veut dire, parce que l'homme spirituel juge de tout, il n'est jugé. Personne, c'est écrit. Toujours dans les Saintes Écritures. Alors, lui, il était resté là, dans cette dimension-là, en parlant. Et puis, les disciples, voyez-vous, ils étaient préoccupés par la nourriture donc naturelle. Leur pensée, peut-être pas continuer à voir faire attention, parce que quand le maître dit, il sait ce qu'il dit, et puis il reste dans cette continuité de la pensée qu'il avait toujours esprit, n'est-ce pas vrai? Et voilà que maintenant, eux, ils avaient en train de pouvoir réellement s'y penser, on a oublié du pain, ainsi dit effectivement. Et puis lui, il leur dit, mais gardez-vous donc, c'est important cela de comprendre ce qu'il dit, du levain
le pharisien. Parce que dans la farine, pour fabriquer le pain, on met du levain. Donc ils ont fait la relation avec leurs pensées. Comme ils ont eu à pouvoir comprendre. C'est ça la grosse erreur que nous commettons tous. Vous voulez aller au ciel, vous voulez d'enlèvement. Comment voulez-vous aller dans l'enlèvement avec tout le paquet que vous transportez avec vous? Quand Dieu veut vous dépouiller, vous ne voulez pas Dieu, en fait. C'est ça le problème, en fait, en réalité. C'est-à-dire que chacun de nous doit réellement comprendre qu'il ne s'agit pas de pouvoir dire, pique tout, alléluia, je veux partir. Vous partirez où? Le Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, il dit, il savait d'où il venait et où il allait. Mais toi, tu sais d'où tu viens et où tu vas. C'est ça le problème que nous avons. C'est-à-dire que, je reviens ici, c'est ça le problème que nous avons. D'où est-ce que tu viens? Ah ben, tu n'as pas la certitude que tu étais quelque part. Jusqu'aujourd'hui, tu t'attends encore. Et je remercie Dieu, notre Seigneur, pour les témoignages de notre sœur. Dieu bénisse notre sœur, dont l'huile est partie, n'a pas brûlé avec les fils. C'est avec joie que nous avons eu à pouvoir entendre ça. C'est comment il s'appelle? Ah, Dieu le bénisse. Et notre sœur aussi ici, Dorothée, je pense. Vous l'avez entendu? Dieu fait de merveilles. Oh, j'aime Dieu parce qu'on devient sincère quand l'Esprit du Seigneur travaille. Ça, vous entendez, c'est toujours votre attention. Alors, il a dit, Seigneur, j'étais toujours dans ta maison, j'étais toujours distrait de votre attention. Mais ces jours-là, c'était dimanche, et le Seigneur a visité donc sa fille, la jour qui a suivi, parce que dans sa maison, il commence à pouvoir prier un peu la grâce du Seigneur. Seigneur, je peux pas toujours rentrer, et puis je sors quand même fille. Je rentre là, je suis toujours là, distrait, que ce qu'on passe par là. Mon Dieu, j'ai besoin de aussi une expérience avec toi. Et oui, Dieu l'a visité. Elle est où, sœur Dorothée? Voilà. Ah oui. Quand Dieu l'a visité, les oreilles sont devenues attentives. Alors, elle me dit, c'était donc, parce qu'elle m'a appelé, je pense que c'était mercredi, elle me dit, oui, même le mardi, quand notre frère Christian exhortait, mon oreille était devenue attentive. J'étais à la maison, mais j'écoutais bien. Il dit, ah, ben voici, Dieu soit béni. Mais avant, notre sœur Dorothée était assise là. Oui, bon, on en remet, ça rentrait, ça faisait comme ça. Quand Dieu est là, on devient sincère. Il dit, voilà comment, c'est pour ça que ça dit, votre attention, votre attention. On dit que le frère, il perd son temps. Non. Et parce que l'Esprit sent que la personne là, Dieu veut la personne, mais la personne n'est pas attentive. C'est sûr et certain. Voyez-vous comment, mais c'est vrai, il a eu quelque chose de tellement puissant qu'il a visité, c'était le Seigneur qui a visité sa fille et que l'intérieur elle-même, il dit, oh, maintenant je commence à comprendre pourquoi le Seigneur a-t-elle souffert pour moi, j'ai commencé à aimer, maintenant j'y réalise. Oui. Avant c'était, on entend mais on n'a pas réalisé. Maintenant que Dieu l'a visité, elle réalise les choses effectivement. Ça c'est la grâce divine de Dieu, de pouvoir nous ramener à être réellement conscient de ce que le Seigneur, notre Dieu. Parce que quand nous sommes assis ici, nous sommes souvent absents parce que nous regardons, puis nous pensons, parce que oui, il faut que Dieu te bénisse. Vous avez entendu maintenant, c'est vrai. Parce que vous êtes, en fait, vous êtes assis aussi, vous êtes probablement dans la même condition qu'elle était auparavant. Mais Dieu l'a nettoyée, Dieu l'a rendue attentive, Dieu l'a visitée. Maintenant, elle est là, elle est très attentive. Qu'elle écoute bien, je pense même que quand elle va retourner à la maison, elle va encore lire bien, pour écouter, pour que ça rentre bien à l'intérieur. Vous voyez, la distraction, mon frère et ma soeur, c'est toujours le diable. Vous ne pouvez pas quitter chez vous, venir perdre votre temps ici, et surtout penser, non, elle dit qu'il faut que, si il a prié tantôt, Seigneur, parle-nous, vous avez prié. Mais quand Dieu se met à parler, qu'est-ce qui se passe? Vous ne direz pas qu'il ne parle pas, puisqu'il parle. Donc, le problème, c'est nous, effectivement. Alors, comme il parlait, effectivement, il fallait que, là, maintenant, il dit, lorsqu'il a parlé, effectivement, il dit, gardez-vous donc du levain, donc, gardez-vous avec soin
du levain des pharisiens et des sadducéens. C'était ainsi. Ah oui, parce que il venait de pouvoir parler avec les sadducéens et les pharisiens, qui les poursuivaient toujours avec eux. Entre nous, effectivement, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et ils ne voulaient même pas que le peuple croie en lui, effectivement, aussi. Alors, et puis, il parle, effectivement, parce que les pharisiens, les sadducéens, ils avaient leurs enseignements. Vous savez, comme il a traité, effectivement, hypocrite, effectivement, vous êtes fils de la gêne, vous voulez encore amener, vous connaissez cela, non? Mais pourtant, c'était des gens qui, quand on pouvait voir, ils avaient leurs enseignements, ils avaient leur façon de pouvoir voir, vous connaissez l'air absolu, c'était Moïse a dit. Toujours, dans tout ce qu'ils pouvaient, ils pouvaient raconter n'importe quoi. Toujours après, Moïse, voilà. Et comme le peuble, quand on dit Moïse a dit, il tremble, alors on pouvait faire passer. Satan pouvait faire passer beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir, effectivement, avec ce que Moïse avait réellement dit. Notre Seigneur a dit aux sadducéens et pharisiens, dit, mais c'est pas moi, je ne vous accuse pas devant mon Père, mais c'est Moïse, là, que vous adorez, que vous aimez, effectivement, qui vous accuse et qui vous accusera, certainement, c'est vrai. Il dit, mais vous parlez, effectivement, il dit, mais Moïse, là, dans les écrits, il a parlé de moi. Dans la Bible, Moïse, il a parlé de moi dans ses écrits. Et puis il leur dit, si réellement vous avez cru aux écrits de Moïse, c'est sûr et certain que vous croirez en moi et vous viendrez. Parce que Moïse a écrit de moi dans les écrits. Vous vous souvenez même quand Philippe a parlé à Nathanaël, nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Ah, c'est merveilleux. Dieu te bénisse. Et quand il a voulu commencer à pouvoir flasher, à voir les désarçonner, c'est comme ça que nous sommes toujours. Quand on n'est pas certain, le diable, on peut vous désarçonner facilement parce qu'on va vous dire, est-il, est-ce que... Est-ce que vraiment, vous pouvez me parler que cet homme-là est vraiment des dieux? Et y a-t-il quelque chose de bien qui viendrait donc des Nazareth? Il n'avait pas bien lu les Écritures qu'on appellerait le Nazaréen. C'est ça le problème. Toujours Moïse a dit, mais on ne voit pas la source. Là, de ce que... Bien sûr que oui, évidemment. Et quand il est venu lui-même. Et puis, il était tellement certain lui-même, Philippe. Vous vous souvenez? Il n'a pas tremblé. Mais est-ce que vous serez aussi certain? Amen, amen. Ah ben, bien sûr que c'est important. Et Philippe a répondu simplement, viens toi-même et vois. Et quand Nathanaël est venu et qu'il a vu, il a crié en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. C'était Alléluia. Tout. Il dit, tu es réellement le roi d'Israël. Donc c'est que c'est nécessaire que nous comprenions ces choses afin de pouvoir avancer profondément dans les choses de Dieu. Alors là, il leur parlait effectivement, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et eux, ils ont fait l'association effectivement de cela dans un rapport avec le pain. Regardez comment notre maître est tellement extraordinaire. On n'a pas à pouvoir lui expliquer les choses. Il nous dit ici, verset 8, il dit, Jésus l'ayant su, maintenant, pardon, verset 17, il dit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Vous comprenez cela? Ils raisonnaient en eux-mêmes. Les pensées, hein, à l'intérieur, pendant qu'ils étaient donc là, assis, et quand le maître a dit, maintenant, c'est les raisonnements. Ça, c'est comme ça avec chacun de vous. Vous entendez? Vous écoutez, chacun de vous entend. L'un va se dire, oh, on me vise. L'autre va dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il faut comprendre ça, c'est-à-dire, votre pensée, ah non, c'est pas comme ça, hein. C'est pas vraiment comme ça qu'on nous a eu à pouvoir nous enseigner quand nous étions là-bas. Hein. Mais, un exemple, hein. C'est que ces raisonnements commencent à pouvoir se faire. Or, en fait, nous avons affaire à la parole de Dieu, qui sonde les reins et les cœurs. Et alors, l'Écriture nous dit, mais, il dit, ils raisonnaient en eux-mêmes, en disent, et disaient, mais c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Voilà comment nous nous détruisons nous-mêmes.
par nos propres raisonnements et que nous commencions à pouvoir croire que ce que nous avons, ce que nous avons pensé, eh bien, c'est comme ça, c'est qui est juste. Et c'est une grâce quand le Seigneur peut venir te parler, corriger ta pensée. Il faut le remercier, en fait. Puis il y a des situations avec des frères et des sœurs, même si ce raisonnement ou sa pensée il est fausse et n'est pas conforme, et n'est pas de Dieu. Tu lui dis, frère, ma sœur, c'est pas comme ça que je... Mais ici, tu défends. Non, je crois que c'est Dieu qui me dit, mais Dieu ne peut pas t'inspirer ça. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Mais il s'accroche, mordicus. Hein? C'est-à-dire que c'est quand on dit mordicus, c'est-à-dire qu'il ne veut pas lâcher. C'est comme un chien qui est attaché à l'os. Vous avez tout bougé, les chiens disent non, je ne laisse pas. C'est comme ça. En fait, mais quand on te dit que non, ce raisonnement n'est pas biblique, quand tu es un fils de Dieu, quand tu es une fille de Dieu, tu ne discutes pas. Amen. Ah bon, c'est pas parce que tu reconnais que Satan a injecté une pensée. Et comme toi, ce n'est pas la pensée. Il dit, ah, c'est pas conforme. Oh, Seigneur, pardon. Amen. Mais quand tu es toujours en train de défendre, non. Et parce que, d'ailleurs, et puis tu veux montrer que ça vient de Dieu, tu commences à la défendre. Oui, c'est pas comme ça que j'arrive. Je me dis, mais c'était, tu veux expliquer une chose. Tu veux déjà montrer que c'est faux ce que tu as. Mais tu veux expliquer pour montrer que non, c'était pas comme ça. Tu te bats pourquoi? Ça sert à rien. On te regarde, on sait d'ailleurs que c'est faux. Est-ce que tu as le droit de défendre si c'est faux? Alors, qui va te donner, mais ça, même si tu penses que tu vas me convaincre, je sais que c'est le diable qui a la source. Alors, apprenons à ne pas réellement commencer à expliquer les choses. Quand c'est faux, c'est faux. Rejetons, parce que la fausseté n'a rien à voir avec nous. Amen. Nous, c'est la vérité. Amen. Pourquoi voulons-nous s'accaparer de ce qui est faux? Alors qu'on sait que ce qui est faux nous amènera à la perdition. Mais ce qui est important, c'est la vérité. J'ai besoin de la vérité. Frère, ma soeur, je ne vais pas apporter des inspirations démoniaques tout le temps. Non, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas un vase de Satan. Non, 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 non. Alléluia. Je suis un vase de Dieu. Alors, il faut que je puisse être comme Dieu le veut. Donc, j'ai pris, Seigneur, que ta pensée soit aussi dans ma pensée. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est ça qui fait de moi un fils de Dieu. Je reconnais mon erreur, je corrige. Amen. Nous faisons tous des erreurs. Que nous sommes encore dans ce corps. Mais je ne veux pas être en tant que quelqu'un qui est toujours dans l'erreur tout le temps. J'ai besoin de quelqu'un qui est toujours dans la vérité. C'est que quand quelque chose n'est pas conforme, on me dit, je corrige. Je vais de l'avant. Cela montre qu'au-dedans de toi, il y a la vie de Christ. Mais quand tu te défends, même si la chose qu'on t'a trouvée elle est fausse, ben c'est si, ah, mon cœur est douloureusement. C'est comme cela que là, même quand tu donnes des conseils aux frères et aux sœurs. Oui, tu as beau donner des conseils, effectivement. Oui, frère, mais le frère va commencer à pouvoir d'abord t'expliquer. Vous savez, je veux vous dire une chose. Je suis une personne, j'ai beaucoup de défauts, frère. Mais je souffre beaucoup quand on me donne trop d'explications. Ne venez pas avec d'explications, explications sur explications. Si tu es en faute, accepte ta faute. Et on prie pour toi, Dieu pardonne. Mais expliquons, oh non, parce que je, parce que, parce que, parce que, parce que. J'ai déjà mal à la tête. Et puis, j'ai beaucoup de gens que je dois recevoir. Tu dois m'expliquer pendant 15 heures. Et les frères qui sont en train d'attendre. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour me montrer que non, c'est toi tu es conformément, tu es conformément. Mes frères, vous oubliez une chose, c'est que quand vous venez, vous vous asseyez. Quand tu commences à parler par la grâce de Dieu, je sais que tu es quelque chose qui n'est pas correct. Mais je te regarde seulement. Et toi, tu penses que tu es en train de pouvoir emballer ce monsieur. Mais il n'y a pas de problème, monsieur est déjà déballé. C'est vrai. C'est important que nous comprenions les choses divines de Dieu pour notre bien, frère. Dieu nous aime, Dieu nous aide, Dieu ne veut que nous puissions être forts, frère, et pousser Satan loin. On ne peut pas, on n'a rien à voir avec les démons. On ne doit pas collaborer avec les démons, on les chasse, frère. On n'en veut pas. On veut être purifié, sanctifié. C'est notre désir, nous savons que c'est à cause de lui que nous sommes dans cet état. Alors je veux simplement que Dieu nous... Alors, il dit que nous n'avons pas pris de pain, Jésus l'ayant su, il dit,
Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Autant ils ne l'ont pas exprimé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment il est. La parole sonde la race et le cœur. Alors, si nous pouvons arriver à pouvoir réaliser que vraiment Dieu connaît nos pensées, nous serions dans la crainte. Il dit, mais ils étaient avec quelqu'un dont ils n'avaient pas encore vraiment bien réalisé, en fait. Il dit, moi, que cette personne qui il est. Alors, vous souvenez aussi quand il a marché. Il a montré des signes, des choses qui. Vous avez dit, mais c'est pas possible quand même. En fait, il réalisait qu'il n'y avait pas encore que c'était vraiment lui. Vous dites, oh frère, bien-aimé, comment est-ce que tu peux nous dire ça? Souvenez-vous quand même. Non, c'était dans Luc 24. Nous espérions. Que c'est serré, vous comprenez, non? Que c'est serré lui qui nous délivrerait. Mais avec toutes ces choses. Je l'aime beaucoup parce qu'on me dit que quand il s'y approche, c'est comme ça que. Vous connaissez l'expérience que j'avais eue, que beaucoup de frères ont eu à pouvoir me traiter de tous les noms, évidemment aussi. Quand le frère était chez lui à la maison, et il était tellement malade, ah oui, les anciennes connaissent ça, il était tellement malade qu'il ne pouvait même pas bouger. J'étais dans mon bureau, et comme vous savez, j'étais souvent dans le bureau prier, puis m'a écrit aussi, et comme le Seigneur conduisait. Et alors il m'a appelé, j'étais assis là, et il me dit, Fredona, je suis vraiment dans un état, je sens que mon état, c'est pas possible, je suis très malade, je ne sais même pas qu'il va pouvoir bouger de mon lit. Et quand il m'a dit ça, mon cœur a eu de la peine. J'ai dit, oh mon frère, tu veux que je vienne prier chez toi? Alors je lui ai dit, mais mon Dieu, je n'ai pas ton adresse. Et comment faire effectivement pour que je vienne chez toi? Donc je suis dans mon bureau, comment je peux faire? Alors je lui ai dit une chose, j'ai dit, écoute, voilà ce que je veux faire. Puisque tu es là, chez toi à la maison, que moi je ne sais pas venir, je vais prier. Pour toi au téléphone. Alors je lui dis, maintenant, lève-toi. Vous savez, je ne l'avais pas vu endormi. J'étais dans mon bureau. Mais je lui dis simplement, lève-toi, redresse-toi et assis-toi, je vais prier pour toi. Alors il me dit, oui. Et puis, je priais pour lui au téléphone. J'étais toujours dans mon bureau. Et après avoir prié pour lui, je lui dis, que Dieu te bénisse. Ce soir, Dieu voulant, c'était mardi. Dieu voulant, nous retrouvons donc ensemble à l'Assemblée. Il dit comme ça. Pourtant, il était gravement malade. Et puis, je lui dis aussi après, je dis, maintenant, il faut que tu puisses prendre la force que tu manges aujourd'hui. Puis, j'ai raccroché le téléphone. Donc, je continue à pouvoir lire les Saintes Écritures. Je crois, quatre ou cinq minutes, j'entends que le téléphone sonne. Donc, après avoir prié pour lui, je prends le téléphone, je dis, allô, je ne sais pas qui c'est. Je dis, pasteur, où est-ce que vous êtes? Je dis, depuis que j'ai prié pour vous, je suis toujours là devant ma Bible. Ah, non. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Je dis, non, mais je suis ici présent. Il dit, non, pasteur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, vous étiez ici chez moi, dans ma maison. Dans ma chambre, ici où j'étais. Pasteur, je vous ai vu debout. De mes yeux, vous étiez là debout. Et vous me dites ceci. J'étais toujours en train de dire, mais. N'étais-je pas dit de pouvoir t'élever et t'asseoir? Parce que quand tu me dis, je vis la vérité, quand tu m'as dit assieds-toi, je ne me suis pas assis. J'étais toujours resté couché. Quand Dieu vient, la vérité sort. Là, on confesse tout, on dit tout, comme Zachée. Donc c'était comme j'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, je me suis pas pris. Je te vois, tu étais dedans. J'ai dit, mais pasteur, tout est fermé, par où tu es rentré? Et puis tu me dis, il dit, n'étais-je pas dit de pouvoir t'asseoir lorsque je l'avais appelé, je t'ai eu au téléphone, je me dis, t'asseoir effectivement. Il dit, oui. Et puis, en ce moment, j'ai vu que tu as disparu. Quelques minutes après, j'entends, on frappe à la porte de chez moi. Qui c'est? Ma soeur. Non, sa petite soeur. Elle me dit, je suis venu t'apporter à manger. Alors, elle dit, mais
Pasteur, vous m'avez dit de la prière. Il dit, mais il faut que vous mangiez. Alors, ma soeur avait dit, je suis apporter à manger. Il dit, mais comment tu sais que je devais manger? Il dit, mais quelqu'un est passé par chez moi pour dire qu'il apporte la nourriture à ton frère. Alors il dit, je suis devenu juste pasteur. Tu veux dire, t'es ici, comment ça se fait? Parce qu'il dit, non, non, c'est pas moi que tu as vu en fait. C'est le Seigneur qui a pris la forme de moi et qui est venu te parler pour te faire comprendre que pendant que je t'ai parlé et que j'ai prié, c'était pas moi. C'était lui qui te disait tout ça, tout ça. Et même pour la nourriture. La preuve, c'est qu'on t'a apporté la nourriture par ta propre soeur. Il dit que quelqu'un est passé qui m'a dit, apporte la nourriture à ton frère. Et c'est pour ça que, et puis, les soirs, il me dit, mais pasteur, tu avais même dit que les soirs, je serais à l'assemblée. Mais voici donc à l'assemblée. C'est pour ça que là, il marchait et le Seigneur s'est joint à eux. Ah, les gens commencent à dire, oui, et comment est-ce que toi, frère, et je pense que c'est la sorcellerie. Et les frères, oui, si vous savez ce que j'ai eu à pouvoir entendre passer par. Il dit, la sorcellerie, oui, parce que bon, quand c'était monté au haut lieu là-bas, on m'a traité de tous les noms, des antichrists. Ah ben oui. Oh oui, vous savez, par où moi j'ai toujours passé dans ma vie ici, mon frère. Maintenant, comme je dis, on peut me frapper avec des marteaux, avec même passer avec des bulldozers. Parce que le Seigneur m'a déjà fait passer par là. Insulter, on peut m'insulter, dire ce qu'on peut faire. Ça fait partie de ma propre vie. C'est la vérité. Alors, alors, il dit, oui, mais et comment est-ce que toi, tu peux être ici, être en même temps là-bas? J'ai dit, moi j'étais ici, il n'y a que des sorciers, ils peuvent faire cela, donc on m'a attribué toutes les caractéristiques des sorciers. Alors moi j'ai dit, ça n'a jamais Dieu, j'ai dit, oh, Dieu ne peut pas dire, ok. Alors j'ai dit, prenez les Saintes Écritures. Lorsque Marie Magdala et les femmes sont allées dans les sépulcres pour voir et chercher celui qu'ils aimaient, ils ne l'ont pas trouvé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Un jardinier. C'était un jardinier. Ils sont allés supplier. Où l'avez-vous mis, effectivement? Et nous voulons son corps. Et le jardinier lui dit, il l'appelle Marie. Et du Rabouni. Et oui, mon frère et ma soeur. Et du maître. Et puis il a disparu. Bien sûr, monsieur. Alors vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Oui, le Seigneur peut prendre la forme de tout, mais pas les tiens. Alors non, pas les... Aïe. Ah, pas toi, j'ai dit. Maintenant, vous croyez qu'il peut prendre la forme de quelqu'un? Parce que vous disiez que c'était la sorcellerie. Maintenant, quand je voulais prendre la sorcellerie, oh oui. Et pas toujours comme ça. Oh oui, mais pas toi. Je suis pas un être humain, alors. Donc, tout le monde sur la terre, oui, mais pas moi. Enfin, bon, bref. Donc, c'est ça, effectivement. Donc, nous comprenons que, en réalité, comme les femmes ont eu à pouvoir, effectivement, c'est comme sur le chemin d'Emmaüs et comme le Seigneur leur faisait donc savoir, effectivement, il écoutait et on pouvait voir, effectivement, la réaction qu'ils ont eu à pouvoir avoir. Alors, il dit ici, maintenant, il revient, il dit, bon, Jésus l'ayant su, dit, parce que là, nous étions sur le podium, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est fait que vous soyez triste en marchant? Le Seigneur savait ce qu'il pensait. Donc il voulait. Alors dis-moi, verset 19, Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? C'est ça que... Moi je parle d'autre chose et vous avez associé les choses spirituelles avec des choses... Je parlais du levain des pharisiens. Il a bien insisté, regardez très bien ici. Ici, il dit, Jésus a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas des boulangers. Alléluia. Il faut comprendre la réponse. Il dit, alléluia. Les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas des boulangers. Il aurait pas dit, gardez-vous avec soin du levain des boulangers qui sont des pharisiens. C'est ça. Oh, alléluia.
Et il a été pour que nous puissions être spirituels. Gardez-vous avec ce dit le vin des pharisiens, des sadducéens. Mais ils voyaient comment les pharisiens les poursuivaient tout le temps. Ils n'avaient pas la boulangerie avec eux. Ils avaient des questions, ils avaient des enseignements. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est nécessaire d'avoir l'oreille qu'il faut. Et surtout que pendant que la parole est apportée, d'abandonner les raisonnements. Ça bloque la compréhension spirituelle, mon frère et ma sœur. Quand vous venez, vous avez des fardeaux, Dieu veut vous décharger. Mais vous repartez avec le même fardeau. À l'extérieur, on va disputer sur la même situation, la même chose, effectivement. C'est pas possible. Dieu vous délie et vous vous reliez vous-même. On a délié le fardeau, laissé ici. Tu reprends ton fardeau. Je repars encore. Ah, Seigneur, délivre-moi. Il vient de pouvoir te délivrer. C'est toi-même qui reprends maintenant ta condamnation. Tu repars avec. Puis, nous continuons pour arriver à ce que j'ai dit, verset 9. Maintenant, le maître revient encore pour leur parler. Il dit, mais êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni le 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Vous oubliez souvent, mon frère et ma soeur, ce que le Seigneur a fait. Comme notre précieux frère aime bien le chanter, nous aimons aussi cela, ce que Dieu a fait pour moi. On le chante, mais on ne le réalise pas. Regardez comment c'est Dieu a eu à pouvoir, parce qu'à un certain moment, tes yeux se sont ouverts et dit, mon Sauveur béni, quand il t'a visité, quand il t'a maintenant montré qu'il est toujours vivant, tu commences à voir, dire, mais Seigneur, donc depuis les temps même quand j'étais avec ma mère, avec mon père, dans les familles où il y avait beaucoup de sorciers, des serpents qui piquaient les uns et qui mouraient dans les quartiers, toi, tu étais toujours là pour me garder. Alléluia! Amen, amen! Merci Seigneur. Alors, quelle adoration, mon frère! Quelle reconnaissance! Seigneur, tu étais là! Je pouvais mourir avec les autres! Tu étais toujours là! À l'école, tu étais toujours là! Partout, je partais toujours là! Alléluia! Oui, monsieur, oui, madame! Mon frère et ma soeur, compte les bienfaits de l'Éternel dans ton épreuve à toi! Souviens-toi! Ce que Dieu a déjà fait dans ta vie à toi, ne fût-ce qu'une fois. Alléluia. S'il a fait une fois, il le refera encore. C'est sûr. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci Seigneur. Il est vivant notre Dieu. Comme l'Écriture le dit, lorsqu'il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle doit exister. Il a déjà dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Peu importe l'emprisonnement dans lequel Satan peut te tenir. Mais puisqu'il a dit ça pour toi, c'est sûr et certain que pour lui, la chose est accomplie. Pensez-vous que Dieu peut parler en l'air en nous disant que par ce maîtrisure, il a été meurtri, donc nous avons reçu la guérison. Alléluia! Gloire au Seigneur! Pour toi et pour moi, c'est accompli, monsieur! C'est la chose que nous possédons avec assurance. Même si la maladie vient, je gémirai, mais je dirai, Seigneur, tu l'as dit, mon sauveur. Gloire, honneur et à toi, notre Dieu. Alléluia. Puisque tu es vivant, tu entends les prières, tu exauceras. Merci. Oui.
Il n'est pas un homme comme nous. Lorsqu'il dit, il sait très bien ce qu'il dit. Et la manière dont il dit effectivement les choses, c'est à nous de nous laisser vraiment. Et puis, il est tellement bon qu'il a voulu faire quelque chose encore de meilleur encore pour toi. C'est qu'il t'a envoyé lui-même. Alléluia! Il t'a envoyé lui-même. Lui-même, pas quelqu'un d'autre. Alléluia! Pas quelqu'un d'autre, mais lui-même. Lui-même, il est venu pour te sauver dans la chair. Il revient encore maintenant dans ta vie à toi pour te garder, pour te protéger, pour te conduire, pour t'instruire. Gloire à Jésus le Maître. Alléluia! Il n'y a point de Dieu semblable à lui, monsieur. Et nous croyons, mon frère. Nous le croyons, mon frère et ma soeur. Oui, il est vivant, notre Dieu. Il agit encore comme au jour d'autrefois, lorsqu'il était sur la terre. Il n'a pas changé. Oui, il est vivant, notre Dieu. Et il agit encore en ce jour pour démontrer que sa parole est vraiment la vérité. Il éclaire, il conduit, il soutient, il fortifie. Et surtout pour que toi, mon frère, pour que toi, ma soeur, qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute. Parce qu'il a dit que voici, je suis avec vous tous les jours. Jusque à la fin de temps. Vous le voyez, vous le sentez, parce que c'est sa présence. Et ça ne peut pas te laisser, toi, en tant que fils et fille de Dieu, indifférent. Je ne suis qu'un homme, mais lui, il est présent. Et il est esprit, comme les saintes écritures nous le disent, effectivement. Nous allons passer des moments exceptionnels. Parce que, pas parce que moi, non, parce que lui, il a fait la promesse. Nous sommes entrés d'entrer dans une période particulière, parce que c'est sa parole qui a fait donc la promesse, effectivement, que nous puissions arriver. Nous avons besoin d'expérimenter notre Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir réaliser, qu'il est vraiment vivant. Et quand il est présent, nous sentons nos cœurs. Nous sentons nos âmes. Qu'effectivement, que l'atmosphère, ah oui, a complètement changé. Alors, c'est sa présence qui fait que nous sommes dans ces moments, effectivement, où la crainte et le respect tiennent encore nos cœurs. Nous le remercions pour ce qu'il fait. Et nous sommes aussi heureux de réaliser qu'il nous a fait la promesse et il continue à pouvoir réellement aussi agir effectivement selon ce qu'il a fait comme promesse pour que toi et moi, nous puissions avoir la certitude que ce qu'il a dit qui devait donc arriver, c'est sûr et certain que cela va certainement arriver. Nous devons être de ceux-là qui ont vraiment une foi ferme parce que c'est donc que Dieu notre Seigneur nous a fait effectivement enfin de pouvoir réellement croire. Car réellement que Dieu est tout puissant et que ce qu'il dit est vrai. Alors, il nous dit effectivement, encore, verset 11, dit donc, Matthieu 16, verset 11, dit, mais comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous donc du levain des pharisiens et des sadducéens. Regardez bien. Il vient maintenant insister pour leur faire comprendre que d'abord, il a montré, mais les pains, vous en avez plus que 5. Regardez, 5000 personnes ont mangé 5 pains. Vous avez des camions, vous avez des conteneurs que vous avez apporté du pain avec vous. Avez-vous vu des grands conteneurs qui vous suivaient derrière pour qu'on dise oui? Non, monsieur, vous n'avez, et puis vous n'en avez pas, c'était un enfant qui avait 5 pains. Vous aviez quelque chose de très important. C'est le Créateur avec vous. Alléluia. Alléluia. Quand vous l'avez, tout est possible. Il faut simplement réaliser qui est avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous embarrasser de toutes ces choses-là, mais qui est avec vous? Alléluia! Gloire à Dieu! Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, combien de bidons d'eau ils avaient? Combien de citernes les ont suivis? Alléluia!
Ils avaient seulement l'Éternel. Alléluia. Et quand on a l'Éternel, on a de l'eau, on a de la nourriture, on a du pain. Alléluia. Nous avons toutes choses. C'est nécessaire, mon frère, c'est nécessaire, ma soeur, de réaliser cela, ce que le Seigneur est pour toi. C'est pour ça qu'on nous dit que cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses dont tu as besoin. Oh, mon frère et ma soeur, ne t'inquiète plus, ne pleure plus, parce que toutes les choses que tu désires, Dieu te l'a déjà. Oui, monsieur. Alléluia. Toi, occupe-toi simplement de Dieu. Le reste suivra. C'est absolument nécessaire que nous comprenions, que nous réalisons en réalité la grâce et le privilège que nous avons d'être choisis par ce Dieu qui a fait les cieux sur la terre, les donateurs de tout don excellent, le créateur des cieux et de la terre. Et quand il a jeté le regard sur cette terre, il t'a vu, toi. Il ne t'a pas appelé par hasard. C'est parce que il ne peut pas perdre son temps avec des choses qui n'ont pas d'importance. Non, s'il t'a appelé toi, c'est toi en fait. Vous savez, dans les Saintes Écritures, dans le livre des Actes au chapitre 13, lorsque Paul et Barnabas sont partis prêcher donc l'évangile, effectivement, l'évangile du royaume, prêchant cela effectivement jusque entrant dans les synagogues et prêcher. Et les chrétiens nous font part, effectivement, que quand ils ont prêché, oh là là, mais les païens et puis les autres prophètes qui étaient pieux, effectivement, ont eu le désir de pouvoir encore les entendre. Entendre les merveilles de Dieu, entendre la parole de Dieu qui apporte la délivrance, Amen. La parole de Dieu qui nous restaure, qui nous repositionne Amen. Dans notre héritage, mon Amen. Frère et ma soeur. Le Seigneur ne t'a pas crié pour te perdre, non, toi, non. Non, 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 non. Il a donné sa vie pour que tu sois heureux. Ça, c'est le projet de Dieu pour toi sur la terre où nous nous trouvons en réalité. Et c'est absolument important que nous comprenions ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu fait effectivement aussi avec nous dans la marche dans laquelle il nous a positionnés aussi. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, parce que, aussi longtemps que nous ne comprenons pas ces choses-là, nous ne pouvons pas réellement aussi avancer avec Dieu. Mais il nous prouve, il nous témoigne qu'effectivement, qu'il est le Dieu de sa parole. Simplement, nous pouvons avoir foi et confiance en lui et rester confiants dans ce qu'il a eu à pouvoir réellement aussi nous promettre, effectivement. Il est le même. Accomplit effectivement cela. C'est pour ça que notre foi doit être fondée et une foi inébranlable dans ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, ce qu'il a aussi promis. Et comme il ne le fait pas effectivement aussi, ne devons pas nous inquiéter. Parce que tout ce dont nous avons besoin, comme l'Écriture le fait savoir, il le sait. Et il nous a donné déjà ces choses par-dessus, en fait. Et c'est à nous de pouvoir réellement marcher avec assurance et détermination pour que nous puissions arriver à pouvoir marcher comme étant de plus que vainqueurs. Nous avons la victoire et nous nous plaçons comme étant de plus que vainqueur. Dans toutes ces choses dans lesquelles nous pouvons passer, nous devons toujours réaliser que nous n'aurons jamais la défaite. Amen. Mais toujours, toujours, n'oublie jamais cela, la victoire. Pour quelle raison? Parce que c'est lui qui a vaincu
et qui t'a fait la promesse, il n'est pas resté dans le tombeau. Tout l'enfer, tous les démons étaient venus effectivement pour dire que là on va t'en mettre, là tu ne sortiras jamais. Mais ils n'ont pas réalisé que lui, on ne peut pas l'arrêter. Si on l'a mis dans le tombeau, c'est parce qu'il devait descendre pour aller voir Abraham, pour aller voir Job, pour aller voir David, pour aller voir tous ceux-là qui ont espéré en lui. Ils sont tous morts dans la foi. Mon frère et ma soeur, le Seigneur dans ta vie, il peut faire plus que tu ne peux l'imaginer. Donc dans le moindre détail, c'est pourquoi ça ne sert à rien, frère et sœur, de pouvoir... Non, dans le moindre détail, parce que frère, qui pouvait penser que c'était le moyen par lequel il allait descendre là en bas? Parce que frère, parce que l'homme n'a pas réfléchi, l'homme est resté dans son intelligence. Et Satan aussi pense qu'il est intelligent, il n'en a pas. Amen. Ah oui, monsieur. Parce que pour accéder, ça c'était la loi de Dieu, mon frère. Alléluia. Oui, Dieu de sa parole. Amen. Pour entrer dans les lieux inférieurs, dans les séjours de mort. Tu ne peux pas rentrer vivant, il faut être mort. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Donc ce sont les morts qui vont dans ces jours. Des morts. Oh, gloire à Dieu. Il fallait qu'il meure. La mort devait être constatée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est la sagesse. Gloire au Seigneur. Oh, il est tellement bon, notre Dieu. Gloire à toi, tu es roi. Tu es Dieu. Dieu merveilleux. Oh, mon frère, ma soeur. Il est vivant, mon père. Gloire à Dieu. Il fallait qu'il prouve que la mort est venue. Je descends avec là-bas. Je sors victorieux, monsieur. Oh. Quel homme de Jésus, l'homme de Galilée, mon frère. Ah, il est tout simplement merveilleux, mon frère. Il est tout simplement glorieux, mon frère. Il n'a point de Dieu semblable à lui. Il est toujours le même. Il est le même. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le même, mon frère. Il ne change pas. Il est le donateur de tout don excellent. C'est Jésus est vivant. Amen. Il n'a pas changé. Hey, il n'a pas changé. Il est là aussi aujourd'hui pour toi. Pour te délivrer. Pour te guérir. Pour te restaurer. Parce que quand Jésus vint, la lumière vient. La vie vient aussi. C'est cela, mon frère. C'est ce qu'il est. Vous voyez comment Jésus-Christ, notre Seigneur, réjouit le cœur. Le cœur de croyant. Mais pourquoi les tiens ne se réjouit pas? Parce qu'il est là pour que sur ton cœur à toi se réjouisse. Pourquoi les tiens est tellement si dur, est tellement si enfermé, mon frère et ma soeur? Parce que tu as désiré que ce Jésus aussi fasse quelque chose. Mais il est là pour le faire pour toi. Alléluia. Ne sois pas extérieur, mais sois dedans, mon frère. Les enfants l'ont chanté. L'atmosphère change. Et nous vivons cela. On ne peut pas rester insensible. On doit être dedans. Vous savez, lorsque il était sur les petits dinanès qu'il entrait. Amen. Même les enfants. Amen. La nature a commencé à crier. Oui, monsieur. Amen. Et qui est ce qui était dur? Mais les pharisiens, les sadducéens disent, mais fêtez. Il dit, mais vous deviez être dans l'atmosphère. Amen. Pourquoi ils n'étaient pas dans l'atmosphère?
Les raisonnements, monsieur. Les raisonnements, madame, c'est ça ton problème. Exactement. Tu vas sortir aujourd'hui. Mais si Dieu ne t'a pas béni, qu'est-ce que tu vas faire à l'extérieur? Si tu n'es pas dedans, mais tu es la proie à Satan, à ses démons, tu vas sortir à la maison, c'est encore pire. Alléluia! Je veux la voir aujourd'hui. Oh oui, monsieur! Pendant qu'il est là, je le veux maintenant. Gloire à Dieu! Oui, monsieur! Oui, madame! Mon frère et ma soeur, ne sens pas comme tu étais venu. Gloire à Dieu! Il faut la voir ici aujourd'hui. Et quand tu vas sortir, il est avec toi. Changement à la maison. Gloire à Dieu. Alors lève-nous, mon frère. Notre Père et notre Dieu, nous voulons t'implorer la grâce, mon roi, d'être avec nous, Père, d'agir encore davantage, mon bien-aimé Père, de pouvoir nous assister, mon Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de ta main puissante. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Seigneur, que mon frère ne sorte pas vide, mon roi. Oh Dieu, que ma soeur ne sorte pas vide, mon bien-aimé Père. Que chacun de nous, mon bien-aimé Père, tu puisse recevoir la grâce de Dieu, mon sauveur. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui agit, le Dieu qui soutient, le Dieu qui fortifie, Père. Je prie pour ton peuple, mon bien-aimé Père. Oh, puisses-tu tout ce temps, il encore de chacun de mes rois, et encore de la grâce, mon bien-aimé Père. Mon âme te loue et te glorifie, mon bien-aimé Père, oh Dieu, pour ta bonté, mon bien-aimé Père, pour ta grandeur, mon roi. Tu es venu pour libérer les captifs, mon bien-aimé Seigneur. Dans ces jours aussi, mon roi, nous puissions nous souvenir de toi, de ce que tu as vécu, mon Père Dieu, de ce que tu es mort, pour que la vie soit donnée à ton peuple, mon roi, de ce que tu es mort, mon roi, pour que le pardon nous soit accordé, mon bien-aimé Père. Je loue ton nom, mon bien-aimé Père Dieu. Tu es descendu dans les lieux inférieurs. Tu es roi, tu as témoigné que tu es le Dieu qui ne change pas. Libère mon frère et ma soeur, mon roi. Oh, béni sois-tu encore, mon bien-aimé. Parce que tu es venu pour libérer les captifs, mon Seigneur, à cause de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton nom. Parce que tu es vivant. Alléluia. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous sommes concernés par ce que toi tu es. Nous sommes concernés, mon bien-aimé Père, mon Dieu, par ce que toi tu dis, mon bien-aimé Père, nous avons besoin de toi. Et encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, mon Dieu, et encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, pour la gloire de ton nom, mon bien-aimé Père, que mon frère, que ma soeur soit visité, Père, mon Dieu, et que son cœur et son âme soient ramenés à toi. Pardon pour les péchés, mon roi. Pardon pour les manquements, mon bien-aimé Père, mon Dieu. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Seigneur, transforme. Seigneur, guéris. Je t'en supplie, mon bien-aimé Père. Guéris. Tu as déjà guéri nos maladies, Père. Nous recevons la guérison au nom de Dieu qui m'a Dieu. La délivrance aussi, mon bien-aimé Père, mon Dieu. Soutiens, mon roi. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Transforme nos cœurs et transforme aussi nos âmes. Oh Dieu, agis davantage, mon bien-aimé Père. Ne laisse pas mon frère, ma soeur, mon bien-aimé Dieu, stérile, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh, que la fraîche rosée, le Saint-Esprit glorieux, la puissance et la bénédiction de Dieu descendent sur ton peuple, mon roi. Oh, sur nos enfants, nos petits-enfants, mon bon Dieu, nos frères et soeurs, mon bien-aimé Père, tu puissant, sur chacun d'eux. Louange à toi, délivre, mon bien-aimé Père, tu puissant, et que ta puissance domine. Oh, que ta puissance et ta parole libère les captifs au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que tous les démons, on ne peut quitter loin cet endroit où nous n'avons pas de part sans Dieu. Et que ta bénédiction descende dans le cœur de ton peuple. Que ton peuple soit libre, Père. Oh, tu es béni, délivré, Père. Et accorde la grâce, mon roi. Nous voulons entrer dans cette atmosphère bénie, mon Dieu. Dans ton atmosphère à toi, mon bien-aimé Père puissant. De prendre part à ce que tu fais, à ce que tu es, ce que tu dis. Gloire et honneur à toi. Oui, louange à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Béni soit ton nom. Il est un nom. Et nom béni et saint, c'est nom divin que nul n'implore en vain. De tous ces noms, c'est l'Esprit. Le nom de Jésus.
de Dieu, Jésus, précieux. Jésus, Jésus, Jésus.